Et Let's salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 64 de Baldur's Gate. go! On Yay! a failli mourir. Wouhou! Le nain dans un Ouais. truc. Ouais. Et voilà. C'est déjà pas mal, non? C'est déjà pas mal. Du Allez, moi coup, je ce qu'on va passe faire, les c'est. coups Voilà. de fer à Qu'est-ce qu'on double fait? battant. Et du coup, on arrive. Ben, juste. On est où? Quoi? Alors, dans les épisodes précédents, on avait traversé le pont et on avait commencé à se faire engrainer par les gens dans la tour aussi. Ah oui, c'est Oh, il y a un vrai, coffre. Ah, il donc est faut. vide. Oui, on était Donc, déjà passé par là. on peut aller gratter les doigts de pied à Gortash. On est de Ou. retour. Ouais, mais avant ça, faudra peut-être. Genre. Reprendre des PV. Ouais. Oh, Oh, il va comme de ça, sans suite aucun là. sort et sans aucun PV, sinon on n'est pas des BG quoi. Alors bon, en fait, j'étais surtout parti vouloir me racheter un outfit. Mais je vais juste vendre mes trucs et quand vous voulez, qu'on parte, on part. J'ai retrouvé Ah, deux super, je cadavres. lis le panneau. J'ai retrouvé deux cadavres dans un tonneau. Ouais, c'est la Pourquoi je suis petite bloqué derrière un... facétie. Pourquoi je suis bloqué derrière un mur, moi? Ah, on aurait pu s'appeler comme ça, comme compagnie, la compagnie des cacheurs de cadavres dans des tonneaux. Oh non. Il a éteint la torche. Ah, c'est bon, elle se rallume. La triche! Petit malin! Ça m'a fait tellement rire, je me suis dit qu'est-ce qui se passe si j'éteins? Elle m'a niqué. Petite futaie. Surtout qu'en plus, je crois que la dernière fois, j'étais déjà resté coincé de l'autre côté en plus. C'est probable. Du coup, par où on ressort? Par où est-ce qu'on va? Vous ne pouvez pas voyager rapidement ici? Oh là là, ils sont pénibles. Bah si on va tout droit, il y a une sortie. Allez, je te suis. Par là, Je là. sens que ça va mal se mettre pour vos gueules, mais. Bon, moi je m'en fous, je vole. Ah C'est non, j'ai sympa pas de. de penser au copain, mec. Eratum, j'ai pas de point de ki, je vole pas. Eh bah, tiens, chais! Chais. Mais bon, après, je saute loin. Mais, ils sont 14 Oh, on avait cadavres. trouvé un Où tu veux, on peut balai! pas savoir, puis surtout, on juge pas. Hein. Quoi? Le. Yeah. On a trouvé un quoi? On Un avait balai. vendu un balai. Un balai? Ouais, Je alors qu'on tenais à. aurait pu le mettre. Bah, dans le cul de la statue de. De Gortash. Y a peut-être moyen de se TP Ah, là. moi je pensais Oui, plus là, de il y a Katox, moyen, ouais. mais. Mais on ne Ne devait pas aller t'inquiète, tuer on n'y arrive pas, Gortash. ça. Ah bah, si tu veux y aller là, en étant à moitié souffreteux, c'est toi qui vois. Hein. Bah, moi je te regarde de loin et je me cache derrière un petit muret. Alors. T'as acquis de conscience. Ce qu'on peut faire, c'est se TP à Baldur's Gate pour niquer le jeu et nous donner tous nos PV ainsi que nos ressources de genre de reste. Ouais, je veux bien, comme ça on va chez Figaro et je pourrais acheter une jolie tenue. Et dans chaque cas. Figaro, Figaro, Figaro. Et T'en fais pas après, de on va Baldur. buter Gortash. Après, Mais. on en est, t'es où ce que là dans les quêtes? Ah ouais, non, et sinon on peut faire les quêtes dans la ville. Ouais, aussi. Hein. Parce que y en a marre de pas tout explorer. Et de faire ça n'importe comment, de passer devant des quêtes et tout, de pas bien correctement clean Ouais. découvrir la map. Parce que. Non, mais voilà, elles te sont pas visées, hein, mais bon, on sait, hein. Je suis Toi, désolé, t'aimes c'était bien trop rush d'un fort. point A à un point B, sans même regarder ce qu'il y a autour. Pardon, j'ai été déconnecté de Discord, vous disiez Ouais. quoi? Non, bah, on est passé sous un tunnel. Ma maison est passée sous un tunnel, c'est pas. Ah ouais, non, bah, attends, nos maisons et appartements sont tous passés sous un tunnel en même temps, putain, la vacherie, quoi. Il y a eu une tempête. Ah. J'étais obligé. Désolé, Atelier. Ouais. Il va t'en vouloir. Hein. C'est bon. Moi, j'ai bien aimé. Hein. Je dois dire que. Ouf. Ah, ça fait du bien de rigoler après une journée pareille. Bah oui. Ouais. Je te Tout le revaudrais monde ça, rigole, ouais. Tout le monde Ouais. rigole. Mon poing dans la gueule aussi, tu Ah, vois, c'est contre. marrant, hein. C'est marrant, c'est Effectivement, on a marrant. récupéré tous nos PV. Et ouais. Par contre, j'ai pas récupéré mes sorts. Ouais, bah moi j'ai récupéré tous mes points de ki, alors je t'avoue que ça me plaît bien. Maintenant, tu peux Oh, voler et t'es heureux. on avait même pas tout J'ai fouillé. une potion de repos angélique si tu veux. Pouch.
Je sais pas si ça te rend, oui, les courts repos. Ah, par contre, on a déjà fait tous nos courts repos. Bon, je vais pas utiliser donc d'élixir. C'est trop court. Ouais. Qu'est-ce qu'on avait comme quête encore à faire ici ? Où est-ce qu'on n'est pas allé ici là ? Non, attends, voir les quêtes, il y a des endroits où on n'est pas allé. Déjà, on est passé 4 fois à côté du parc de Crêtefleur, on n'est jamais rentré dedans, il y a une quête au bout, j'ai l'impression. On pourrait faire ça. On pourrait faire ça. Eh ben, allez. Alors, je vous propose de passer par ici parce qu'on peut passer par derrière. Putain, et c'est toujours fun de passer par derrière. T'es dans la maison. J'arrive, c'est bon, je suis là. J'ai pas acheté mon outfit. Mais non, mais c'est bien pas. C'est pour que tu fais le tour. C'est par ici. Qu'est-ce qui se passe ? Ouais, bah, oui, ça va. C'est là où je vais. Ah, non, oui, on peut passer par ici. Ça a été. Oui. Il y a des gens. Ce qu'il fait, le perso. Putain, elle est pas belle, ma cape. Hein. Mais... Oh là là, il va falloir que j'atteigne. Oh, c'est pas enjambé ça. Oh, mais quel. Oh, il y a des trucs pour Arda ici. Ah, oh. Des champis. Allez, ça ramasse tout là, c'est parti. Bon, bah, finalement, on est passé de aller sauver le monde à faire une petite sortie éducative. Allez, on va creuser là, let's go. Bon, bah, on va faire un herbier aujourd'hui. Hein. Ah, bah là, clairement. Vous avez trouvé des plantes? Ah bah j'ai trouvé 3 herbanaires, 2 belladones ou je sais pas quoi là. Ah, j'ai trouvé un pare-chaud pour dominer les gens. Oh oui. Tiens, bah tu pourras dominer à fond. J'adore dominer. Alors là, il déguste après, je sais pas ce qu'ils nous veulent. C'est pas grave, au pire ils mourront. Alors peut-être les fume pas, peut-être écoute ce qu'ils ont à dire parce que quand tu vas savoir pourquoi, tu vas peut-être te poser des questions. Qu'est-ce que quoi ? Quoi ? Ah ok, en fait tu t'en fous de... Tu veux juste leur casser les gueules. Non, je leur parle. Mais c'est eux qui s'en battent les couilles de moi en fait, j'essaie de leur parler mais ils s'en foutent. Wouah putain, c'est quoi ce mot là? Carbunculard. Putain, c'était cool. Mais c'est que des vieux en fait. C'est une maison de retraite. Il y avait des maisons de retraite dans Baldur's Gate? Bah non. Bah manifestement c'est eux là. Bah une table de retraite en tout cas. De quoi et non? Et c'est un club de lecture. Bande de mal appris, putain, vous avez écouté ce qu'ils disent les gens. Bah non, ils ont juste dit que c'est un ce sont des vieux, c'est une maison de retraite. Bah non, en fait, c'est si, juste... Ils sont tous en train de clamer au effort que c'est en la retraite et que le bon vieux temps machin c'était pas si délicat que ça. Et après, tu peux aider les livres. Si jamais là où je suis, il y a un perception à faire. Là. Ah, là où j'ai mis les pieds? Non, là où je suis maintenant. Là. Ah, d'accord. Attends, parce que moi je suis passé vraiment juste en dessous mes pieds, il y avait un coffre. Si ça, c'est pas beau. Ah, tiens, je. C'est un gars qui s'appelle Homme en cagoulé. Par chaude, mange l'œil. Et d'ailleurs, j'ai dire. Ici, là. J'ai envie de dire, ça sent le combat par là-bas, quoi. Bah, les sorties attends, se cachent dans la végétation. Ah, ah oui. Paf. Je t'ai vu. Attends, vas-y, moi aussi. Je suis la nuit. I've been the night. Oh putain, il me voit. Ah si. Quoi? Mais j'étais caché. Mais quoi, qui, que, quoi, quand? Tiens, là où je suis, Arda, là, viens voir. Mais, j'arrive pas à me cacher. J'arrive. Mais ça pue le cul ici là, ils ont l'air tous méchants. Tiens, continue, voilà là. Qui moi? Non, Arda, t'as pas un perception là? Pourquoi j'ai eu un perception quand je suis passé par là? Bon, je sais pas. Mais en fait, c'est que des connards de balles là. Et la perception, c'était pour les gens qui étaient dissimulés. Moi, je les ai trouvés. Hein. Ah bon, bah parfait, on les défonce du coup? Ah oui, il y en a effectivement. Attends, je me mets en position. Attends, oula. Oula, j'ai failli descendre. Mauvais bail. Attends, je continue, Arda, moi. Ouais, mets-toi juste devant pour le pousser du balcon. Ah non, parce que j'ai deux de... Ah, attends, ouais, si tu veux. Moi, attends, je peux le voler à la tire. qu'est-ce que je peux leur faire? Bon, quand vous voulez, hein. Je peux lancer le tour par tour, comme ça, on est sûr de tout faire d'un coup, à la limite. Moi, ouais. Attends, Arda, que moi, t'es prêt à Katox ou pas? Bah, je peux tenter d'arriver derrière lui. Oh, attendez! Bon, qui on doit tuer? Parce que ça se trouve, il n'y a pas que des méchants. Bah, je pense que déjà, si on tape.
Part du si principe. On tape le... Attends, mais moi je vais aller buter le gars de balle. Je vais faire ça. Mais fais le... Comment on fait que c'est le gars de balle? Attends, attendez, donne-moi fiche de personnage... Non, on va tous les pousser, on va tous les pousser... Attendez, j'ai besoin de claquer un truc, là. Mais lance le tour partout. Oui, t'as raison. Alors... Voilà. Moi, je veux aller là. On est d'accord que le mec faucheur de balles Clotaire... Oui. Il a pas l'air hyper sympa. Oui. Bon. Par contre, l'âme nocturne Vigna. Ouais, mais bonjour. Qu'est-ce que quoi? Pourquoi on est sorti du tour par tour? Parce que je suis en discussion. D'accord. What say you? Ah ouais? Ah ouais? Ah ouais? What? Bah, mais. Oh. Prends ça! Tiens, prends ça, vilain! Ouah, 48! Ah. Oh, t'es bien! Merde, je suis pas en combat, oh, c'est les enculés! Eh, moi aussi, je suis pas en bagarre là! Allez, c'est bon, j'y suis! Alors, vous, je sais pas, mais moi j'y suis par contre, et je suis stun en plus! Oh, ah, ça toi, lui a pas plu ça! Je peux pas sauter moi! Oh, je fais 3. 3 décharges de cul, ça fait. Il a inarrêtable! Et c'est fait quoi, inarrêtable? Tu parles trop fort de ton micro là! Inarrêtable, oh, ça fait que. Ça fait qu'il prend que 1 de dommage. Il me jette la merde! Allez, let's go! Bonjour! Enchanté! Mais pourquoi? Je sais pas, c'est une connasse, elle te stun en perma, elle. Ok, j'ai trouvé ma cible de focus. Oh, il était vraiment à côté, il t'a loupé, mais vraiment comme une merde, quoi. Bon. Non mais hey, je suis stun et je les esquive quand même hein. C'est un peu du génie quoi. Alors, bonjour. Ah non. Ouais. Oh. Oh la vacherie. La vacherie ouais. Voilà c'est bon, elle est propre. Bon bah allez, c'est parti, on va vraiment taper maintenant. Salut. Tiens prends ça. Ça lui a pas plu hein. Allez, non, ça dégage. Plus. Bon bah... Voilà, ça y est, je suis équipé maintenant. Coucou. Une bonne chose de faite. Ah, ça fait tellement plaisir de mettre des coups d'épée à plus de 50 de dégâts. J'ai ah, t'as balancé un terreur. Yabagabi. Yabagabagabou, gargue. Yabagabi, go. Oh la chance. Elle s'est mis un point de dégâts, ce teuteux. Dommage pour elle, ça. Ah oui, là, ça, c'est... Et les mecs qui courent, là. Keep out of this, Captain. Do not forget who you serve. Ah. L'antenne magique. J'adore tirer en pleine bagarre, y'a tout le monde qui s'arrête pour stopper la dessus. Qu'est-ce que tu fous là, Arda, derrière moi, là? Je suis moi je me mets partout. L'ubiquité. Defective. Very well. Another offering to Baal. Ah t'as pas vu mec, on était en train de torcher tes potes là. To Baal. Baal. Allez bah Alice quand même, non. Ils ont pas un instinct de survie très très prononc. Oh ouais. Nani. Alors. Donnez-moi 2 secondes. Hein. Toi, t'as combien de PV là? T'en as 36. Ah, mais c'est vrai que j'ai qu'une action et j'ai pas mon. Oh, c'est chiant. C'est chiant. Voilà. Ah, mais y'a lui le petit là à 36. Allez. Il est effrayé le petit à 36. Oh, allez, dégage-toi. Bah, il a 2 PV le petit à 36. Est-ce qu'il est toujours effrayé? Ouais. Ah putain, mais Featherfall, tu concentres pas sur Featherfall? Non. Oh merde. Tu crois que je peux mettre un coup dans le vide et potentiellement le toucher, le mec? Il sera déplacé. Ça se tente. Il sera déplacé, ouais. Mais c'était un ennemi ou un... Bah c'est le mec qui est invisible, là. C'est le faucheur de balles Clotaire, là. Ah vas-y, hein, tente. Moi, j'ai envie de dire... sur un... Ça se tente. Je me demande si j'ai pas mais j'ai pas de truc qui puisse faire de la OE, c'est dommage.
C'est un malentendu, ça passe. Bah non. Non mais en plus il se casse le gars qui a plus de PV là. Attends, puisqu'il s'est enfui et qu'il est... Je vais lui mettre un petit coup de... un petit coup d'attaque à distance là. Là, voilà. N'en parlons plus. Il est mort. Tiens, tu le vois pas non plus toi. J'ai pas l'œil magique. Ah oh, mais y'a les vieux qui sont venus. Incroyable. Ah, là il... Oh. Mais... Hein mais... Oh, ça va être chiant ça. Attends, moi j'attends que Katox il arrive parce qu'il voit les invisibles. Attends, si Axan, on jette une bombe. J'ai un parchemin d'invisible. Attends, j'ai une bombe. Moi j'en ai une de bombe. Attends, bah attends, je m'éloigne alors. Non, mais je rigole, non, mais j'ai la bombe. J'ai la bombe de mort. Bah, peut-être là. T'aurais pu me le dire avant parce que moi j'ai reculé, maintenant je suis plus à distance pour lui taper dessus. Pourquoi tu l'as lancé sur toi la détection des invisibles? J'avais cliqué sur toi. Ah bah, dommage. Katox, t'arrives à venir suffisamment près pour le voir ou pas? Attends, est-ce que invisible c'est comment dire? Est-ce que t'arrives à avancer un petit peu? Oh, attendez. Incroyable, let's go! Il va tellement crever, dégage. Voilà. Merci Katox, le GOAT. Allez, il va bien te faire foutre, toi. C'est vraiment... il est arrivé, il fait... En fait, il est là. Mais oui! Évidemment! Bien sûr! Il est ce dague. Ah mais t'es en discussion avec Jacqueline là. Absolute power. Not much time left. This mind cannot bear us. Turns to liquid. Listen close. We learn. We grow. Loosen our clumsy bindings. C'est le gros cerveau qui nous parle. Je pense, ouais. Dead. Changeling and tyrant remain at odds. Kill them. You have a place in my grand design. What happened? Why do I taste? Ah bah elle est morte. Ah c'est con ça. Ouais, pourquoi je me sens pas l'air. En même temps elle avait le cerveau qui se liquéfiait, hein, donc j'ai envie de te dire. Et du coup ils sont tous morts. Tous les points qui étaient là, ils sont morts. Oh putain, j'ai réussi à pas me faire pécho. Ah non, non, j'ai rien fait, mec. J'ai strictement pas pillé son cadavre. Attends, si je me mets derrière toi maintenant. Est-ce que je peux le piller en étant derrière lui? Attendez, je tente. Ah, je peux. Oh merde. Je prends le Mind Flayer Parasite ou pas? Oui. Oui. Et ben, ça part chez Arda. Paf. Merci. Ah là là. Oh, il y a des plantes, allez. Alors attendez, il y a une quête au-dessus encore. Comment on fait pour y aller? Bah, je suppose qu'on fait le tour. Ça a l'air, d'être. Mais là, il y a des compos là. Je les ai pris moi les compos. Ah là non, t'as pas pris le. Peut-être via le mur. Ah là, oui, il en restait ici. C'est où que tu veux aller? Attends, déjà là, là où je suis, il y a 10 milliards de compos là. J'ai 10 milliards de compos partout. Oui, il y en a plein. On est dans un jardin, hein, c'est normal qu'il y ait des compos. Ah, mais le temps que je fasse le tour, t'auras déjà tout pris. Ah, il y a une ruche. Je suis merdé. Oh, un magnifique petit épisode champêtre. C'est tellement beau. Là, il y a une quête, je pense, si on passe par le nord, là. Enfin, dans ce truc, là. Si on passe là-dedans, là. Où ça Passons dans ça. Ah non, c'est au-dessus. Libérer Orpheus ou... Comment on fait pour aller au-dessus? Chez Casador.
Non, chez Zer. Là, là. Zer. Tour sud du palais Zer. S-Z-R-R. Je sais pas comment tu dis. Moi, j'ai cliqué dessus. Quand tu regardes sur le plan... Passe dans la tour. Ça va dans la tour qui est là. Je sais pas, j'ai cliqué. Mon perso, il y va. Je sais pas où est-ce qu'il va. Je sais pas comment il y va, mais il y va. Quand tu regardes ta map, il y a un endroit... Mais je sais pas, mais en gros, il y a une quête par là. Donc, j'y vais. Ouais, mais c'est la quête de Casador. Je sais pas. Bah, c'est où ça? Au nord, là. Au nord, t'as une quête... Explorer le palais de Casador. Ah oui, mais c'est pas ici, c'est plus loin. Ah oui, non, mais c'est dans une autre map. Ah, c'est de la merde. Non, c'est ici, hein. C'est dans cette map-là. Bon, bah, en avant, là. Attends, on fonce pas tout seul. Pas assez à côté de coffre, hein. Je tiens à dire que ton sens de l'argent... Genre là. Et il a pas les yeux de nain. Mais je suis pas passé par là. Bah. Oui, bon, j'ai. Pourquoi? Ah, oui, c'est vrai que je me suis fait bolosser. J'étais là, pourquoi j'ai 2 PV là? Mais t'es passé par où? Bah, j'ai cliqué et mon perso s'est débrouillé. En gros, t'as une tour là. Où j'ai ping. Voilà, là, tu peux rentrer dedans. Tu montes. T'as 10 milliards d'étages. Mais attends, mais d'ailleurs, la tour elle va beaucoup plus haut. Bon, je vole le coffre et je te le filerai. Hein. Hop, voilà. Ah, oui, si tu veux, mets-le dans mon inventaire. Je vais aller à un endroit où personne ne me verra, t'inquiète pas. Genre en haut de la tour. Exactement. Bah, le temps que. Non, bah, je vais te rejoindre. Bon, si tu l'as dans ton inventaire, mets-le dans le mien, hein, ça ira aussi vite. Hein. Non, merde, j'en regarde. Ah, bah, y a un coffre d'ailleurs. Bien fait de venir. Je t'aide pour la concentration. Attends, t'es passé par où ce que là? Oh, j'ai eu un dialogue et il faut que je choisisse d'intimider, de tromper ou de dire que je vais tuer Casador Sar. Je suis avec toi. Je m'en vais. Ah. Attends, j'arrive. Parce que je vais pouvoir le tromper. Ah mais putain, mais par contre, il est passé où Qui? Où est passé? À Temir, il est passé par où? Je comprends pas. Ben, on était sur tout en haut de la tour. Hein? Mais la tour par laquelle t'es monté. Il y avait encore des escaliers. Le truc ouais. Fouillé, bon, par contre, est-ce que je peux descendre là? Ah ouais, moi 18 PV, je crois pas. Bonjour. Par le pourvoir du vol. Je monte les. Les paroles de la garde sont claires, mais vous percevez aucune pensée ni intention dans ses yeux. Elle n'est qu'un pantin sous l'emprise d'un sortilège. Encore un mot et je vous apprends à voler. Ah, mais c'est Rekla, votre bonhomme là? C'est machine en cagoulé. Cool, je suis bloqué. Of course. Whatever the master desire. Mais ah, ça va être validé. J'adore. On a encore un putain de monk qui a été passé par un autre endroit qui a lancé le combat alors que je venais de valider le truc. Non, mais pourquoi on se bat contre un rat? Il y en a trois même. C'est des rats géants. Des rats géants. Oui. Oh, attends, il y a peut-être moyen avec que... Avec 5 PV, waouh, j'ai peur. Peut-être. Par contre, je me sens pas bien, t'es à côté du... Ah putain, elle va nous pousser là, tu vas voir. Un petit peu d'adresse. Oh, allez. Parce que j'ai troqué l'inamovible pour gagner en résistance, mais je sens que là, je vais me faire pousser dans le vide. Mais ils sont charmés par qui d'ailleurs? Sarazar machin là. Salazar Serpentin hein. Par Casador, ouais. Casador Sar. Bon, toi. Pourquoi il veut pas? Allez, dégage. Hmm.
Et il se casse. J'ai pas envie de perdre mon vol. Bon bah moi je pense que je vous retrouve tout à l'heure. Hein. Pourquoi? Ah je sais pas, je sens qu'il allait me pousser ce code. Mais non. Ah non. Esquive. Ah non, elle va se cacher derrière le tonneau. Eh ben bonjour madame. Bonsoir. Non, hop, salut. Voilà, ah merde, elle est pas morte. Au revoir. 320 d'XP, c'est plus que tout à l'heure. Hein. Tout à l'heure c'était que 250. Surtout qu'on en fout. Les RH, je les bute ou... Bah il va bien falloir. Hein. Bon attends, je m'occupe de lui là. Hop tiens, j'ai fait une petite coupe. T'as taillé dans le gras. Ouais c'est ça, bah je trouvais qu'il avait la jambe un peu trop poilue. Le bruit du coup de bouclier. Bong. Il a la boule de feu sur tout le monde d'un coup là, là, c'est ton moment là. Boule de feu sur tout le monde, ouais, on va peut-être éviter. Il y a plus d'ennemis que d'alliés, c'est bon, hein. C'est validé. Là. Non, je vais faire un petit missile magique. Ah ouais. Trop bien ça, le missile magique. Piu piu piu. Fromp. Almost. Il t'a littéralement fait un et deux de dommages. Ouais, ouais, bah ouais, là, je commence à m'inquiéter. Je crois que le combat est perdu d'avance. Hein. Je vais y aller. Ah, ça, c'est pas cool. C'est quoi confusion? Bah, c'est en gros, soit il se met à baver, à se baver dessus, soit il nous attaque. Ah c'est non, moi, je résiste à ça, moi. J'aime bien le concept. Non, mais. Bon, Jackie. Jackie, t'es mignon, mais. Comment. Reviens par là, du con, là. Fin d'échec critique sur le rat. Voilà. Non, mais. Il lui reste combien de PV? 7. Oh, j'avais encore une attaque. Voilà. Eh bah, ben, il avait la clé! Bien compris. Après, c'est pas comme si tu savais crocheter les portes, hein, mais. Ordre de la tour de garde de Zar, clé de la porte des remparts. Allez, je prends la clé. Prends ça et tout le reste. Je peux les envoyer. Hop! À quelqu'un qui peut porter des choses. Bah après c'était un peu le comité d'accueil pour rentrer dans ce truc. C'était pour des salutations bien amicales et chaleureuses. Tout le monde a besoin d'un petit entraînement pour se chauffer les muscles. De toute façon voilà, c'est on a envie de s'abreuver des coutumes locales quoi, donc un peu normal. La porte. Ouais, comme... Le bouclier est là. Il y a encore une clé. Il est vide, damn it. Bien. C'est... Oh, il y a bien un code, et respectez à la lettre. Ne parlez que quand on vous y autorise. Si vous n'avez rien à faire, trouvez une occupation et mettez-y tout votre cœur. Le maître aime que l'on s'applique. Si vous croisez le maître, ne bougez pas et baissez les yeux par déférence. Le maître aime qu'on le respecte et interdiction de siffler. Mon bon ami nain, les deux coffres près de la cloche, tu les avais pris. Ouais, il y a un gars sur le toit. De la cloche, ah bah c'est moi, je suis allé le tuer. C'était le mec qui a lancé confusion, il essayait de se barrer. C'était Atemir qui allait normalement. Ah, en haut de la cloche là? Ouais. Ouais, c'est moi, je les ai ouverts. Parfait. La coffre de voyage verrouillée là. Ah bah voilà. Bah. Merci. Ah. Pas de soucis. 42 PO. Oups. Incroyable. Ça va, non, c'est cossu, hein. Ouais, ça. Et c'est pas bon, hein, c'est joli. Bon, après... On peut casser la vitre. Ah, je prends des idées, là, pour faire mon petit château fort. On peut pas. Un petit peu déçu, hein. C'est sûr, ah, une machicoune. Il y a des gens à l'intérieur. C'est quoi? T'as dit quoi? Un quoi? Ah, oui, une machicoulie. Bah là, le truc... oui. Ah, là, c'est les chauguettes, pardon. Ouais.
Si on voyait Katox qui est rentré tout seul derrière une porte. Ouais, bah là, vu que justement je suis dans Enshrouded, je suis en train d'essayer de construire un château fort, je regarde les différents morceaux du château, genre juste esthétiquement parlant, comment le construire. Donc bah, je me tape tout le vocabulaire. Non, bah ça va, il... Oula. 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 Ça commence à être bizarre, ça. Moi, je pense que le master, il va se prendre un coup derrière la nuque, là. Regardez juste les tableaux, hein. Les tableaux, ça met une ambiance assez certaine. Hein. La porte, il y a marqué quand même « Porte sinistre hein. ». Ouais, mais t'as vu la gueule des tableaux aussi ? Genre, lui, là, il est sympa, tu vois. Il y a un côté vraiment « Ah là là », tu vois, c'est... Attends, je le vois pas. Là, de l'autre côté, de là où je suis. J'ai en train de causer un type, il y a des... C'est sympa. Un espèce de diable à cornu, là, t'as deux espèces de danseuses... Deux danseuses tête de mort qui font bah, une ronde. Je peux dire la 4. Please, please, pretty, please. Attends. La gueule en regardez, c'est quoi la 4 Pourquoi il y a marqué que tu essayes d'écouter mais tu peux pas? Ah bah c'est bon, ouais, là, je t'écoute. Ok. Bah la 4 c'est je suis là pour tuer votre maître. Bon, ouais, hein, ouais. J'ai une petite idée de qui on va retrouver. Des gens. Peut-être un démon. Tonight the master completes his ritual of ascension. Ah mais non, mais ça doit être les vampires. If you wish to join us, you are too late. The master has commanded the door stay shut until the ritual is complete. Complete. Ah. Mais personnellement invité. Oh la 18. Quel enfer. Ah. J'ai loupé. Well. The master does not invite people personally. The master does not demean himself so. But now I must prepare. His time is almost here and there is still so much to do. Bon, parce quand même hein. Everything must be clean. Everything must be perfect. Pourquoi il y a des rats? Ah. Bon Arda, c'est à toi de faire cette porte, je peux pas. Arda, ouais, mais moi quand je clique dessus, il se passe pas grand chose hein. Moi je trouve, pas un endroit, ah ça y est, j'ai une vidéo. Bah c'est ça. The door is covered in intricate text, but you can't see anywhere a key might fit. Only a small round hollow. Alors je tiens à dire qu'on est passé dans une zone rouge, hein, donc ça veut dire que là on peut pas faire de short rest ou quoi que ce soit. Oui, j'ai vu. Ou ça va être compliqué, faut que je fasse 25. Bah ça t'as plus 9. Tableau de l'Ibex, c'est de la rose. Regarde, c'est gagné. Eh bah ça passe. Tout juste. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'admires à la porte ou... Ben non, je regarde la cinématique. La cinématique. Specifics elude you. You can tell you're missing something though. You spot a reference to the family signet. Là, ça va déjà beaucoup plus simple. C'est quand même réussi de justesse. Incantation seems to be the right size and shape to fit a signet ring bearing the family crest. Parfait, faut qu'on trouve une chevalière avec l'emblème de la famille. Tu veux dire dans des quartiers privés de Chambellan, par hasard? Par exemple. Oh là oui, j'avais pas vu les... Quand j'étais à la porte. Ils sont les... Où ça? Pardon, excusez-moi. Ah! B. Alors le Chambellan, il a eu un problème, je crois. Ah ouais? Ouais, il est pas en forme, quoi. C'est... Il est pas en... Ah bon? Oula! Mais t'as cassé sa porte en même temps. Non, je peux casser sa porte, je l'ai crocheté. Oui. Il l'a crocheté. Ah oui, effectivement. Un cercueil. Ah. Manifestement, j'ai réussi un jet de perception. Lire.
journal intime d'Antoine Dufay, le chambellan du palais de Casador. Voici ce que dit la dernière page. Je sais pertinemment ce que le maître prévoit de faire lors de son rituel, et je refuse d'être le remplaçant de ce vaurien d'Astarion. Ah. Même si Casador trouve mon corps, la potion que les Mantelots m'ont vendue devrait lui donner l'impression que je suis réellement mort. De plus, je vais laisser une fausse potion de poison acide près de moi pour que l'illusion soit parfaite. Mon seul regret concerne ma tendre Luriana, mais je ne peux pas prendre le risque que ma seule chance de m'enfuir soit compromise. Quand l'effet de la potion sera dissipé, Casador aura terminé son ascension et il aura besoin de mes services. Dans le cas contraire, il sera mort et la gouvernance du palais me reviendra. Mais du coup, il est pas mort, le gars. Ah, ça peut s'arranger. On peut pas taper les cadavres. Oh, si. J'aurais une pièce secrète, moi. Ah ouais? Ouais, la caméra, ça a glitché un peu et... Ah ouais. Et les coffres? Luriana Sauvage. J'ai trouvé une clé et mon cher Dufay. Qu'est-ce que c'est, la potion, là? Malgré toutes mes promesses que nous serons dans la vraie vie... Tu y allais sans moi, d'accord, ok. Attends, tu crois que ils le ils gars, ont fait là... un Roméo et Juliette, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Pourquoi? J'ai trouvé ton corps et la bouteille vide. Je sais que t'as pris la potion, mais c'était du poison ou quelque chose d'autre. Il y a deux bouteilles identiques. Je vais boire une d'entre elles et je vais te rejoindre d'une façon ou d'une autre. Je t'aimerai pour l'éternité, Luriana. Et paf! Tu crois qu'on pourrait pas lui balancer le remède à la gueule? Je ne sais pas, mais en tout cas, bon. Ah super, vous avez pillé les coffres autour. Ah si, essaye de lui balancer le. Oh. J'ai essayé. Après, j'ai une autre potion, j'ai un mystérieux elixir. Ouais, vas-y, balance-lui. Attends, est-ce qu'il faut lui balancer dessus ou lui... comment faire pour lui donner? Ça n'a rien d'être ça. J'ai trouvé une robe élégante. Ah, oh! Ah, yes! Ah, je suis classe! Avec la robe? Ah ouais, il y a un petit côté... Il y a un petit côté romain, quoi. Ouais. Attends, je me nettoie quand même, parce que hop, là, voilà, c'est mieux. Monsieur. C'est beau. Ouais, t'as vu, hein? C'est classe. Il y a un côté... Avec la grosse épée, là. Tiens, monde voir. Ça donne quoi sur moi? Intrigue. Faudrait que je trouve leur truc pour me laver là, je sais pas ce que j'en ai fait. Tu veux que je te donne la robe? Bah non mais juste voir ce que ça donne. Paf. Bon. Vous êtes vraiment des fashion victimes, hein, je vous le dis tout de suite. Oh mais... tu veux pas la robe? Non. Ah yes, vas-y. Hop là, je passe de cœur moustache à... Je suis... un prélat romain. Après, est-ce qu'on va voir dans les étages d'en dessous trouver une bague? J'ai récupéré les bouquins que tu n'as pas récupérés. Ouais, c'est pas intéressant. Ah. Après, on peut peut-être casser la gueule au domestique, il doit peut-être avoir... Bah, il se bourre la gueule. Bon, en même temps, il a vu de l'alcool, je comprends. Hein. Ça, je sais pas, un réflexe. Saturé des... C'est de la magie nécrotique sur cette porte, faut pas toucher. C'est quoi ce truc? Catox. C'est pas moi. Un truc pour dispel les malédictions. Alors attends que je regarde ce que j'ai comme parchemin. C'est dommage que j'ai plus le coffre de tout à l'heure, sinon j'aurais pu le foutre dans le coffre, on en parle plus. Parce que là, c'est maudit. Ah non, un truc contre. Ouais, ça, c'est les malédictions. Ça s'appellerait comment? Je sais pas moi, restauration ou. Non, pas restauration. Essaye de le mettre dans l'armoire. Attends, c'est un pare-chaud. Il est où ton sac de pare-chaud? Je viens de claquer 3 points de ki pour rien. Ouais, t'en as un. Scroll of Remove Curse. Il est de quelle couleur? Il est bleu et ça fait un espèce de. La rune de Berserk un peu. Rune de Berserk. Au parchemin de délivrance des malédictions. Oui, ça doit être ça.
Donc, lancer le sort. Et je le lance sur quoi? Sur le cadavre, c'est le cadavre qui... Elle est morte, hein. Tu veux pas? C'est que c'est pas parti. Lancer le sort. Je peux pas. Possibilité de déplacement impossible. Attends, c'est bizarre parce que c'est pourtant c'est une malédiction. Il y a écrit qu'elle est maudite. Le sapping curse là. Ouais, mais je peux plus bouger. Ah bah oui, parce qu'il faut que tu sois au cac. Ouais, mais non. Pourquoi je suis en fin de tour? Parce qu'on est en tour par tour. Parce qu'on est. Ah oui, pardon. Bah oui, non, mais fallait pas l'enlever le truc. Autant pour moi. Ah, je me casse. Bah ouais, mais. Ça m'aurait arrangé que tu l'enlèves pas en fait. Mais j'avais pas capté que tu l'avais mis pour ça. Mais c'est pas moi qui l'ai mis, c'est le jeu qui l'a mis tout seul. Ah! Ah! D'accord! Autant pour moi. Oui, alors par contre, ouais, rapproche-toi vite parce que sinon tu. Paf! Eh ben, je suis désolé, excuse-moi, je suis vraiment. Ouais, super, il a voulu me buter quoi. Trop pas. 27. Oh, il est beau ce tableau! Vous l'avez vu lui? Non. Là où je ping. Panorama infernal. Et après, on n'est pas dans l'antre d'un démon. Hein. Et je me demande, c'est au milieu, c'est Ariel, non? Katox, viens voir, putain. Il s'en fout, lui, la décoration. Mais... Ça a l'air bien, ça. C'est dommage que je puisse pas le mettre. Putain, c'est dans ces moments-là où tu te dis, putain, ça fait chier de pas avoir au moins une aptitude à mettre des armures. Hein. Pourquoi qu'est-ce qu'il y a? C'est récupéré quoi? Je viens de trouver un casque. Quand le porteur n'a plus que 50% de son maximum de points de vie, ou moins, il gagne une action bonus supplémentaire. Bah, armure légère. J'ai découvert un dictionnaire cosacurien. Allez, ça, je prends. Après, ce que je dis, hein, c'est des feats. Hein. Tout ça, tu peux les débloquer, mec. Cet ouvrage est un dictionnaire d'anciens machins. Un langage de la lointaine contrée de Karatour. En le feuilletant rapidement, vous remarquez que certains termes ont été soulignés. Ouvrir, entrer, attention, interdit ou encore scellé. Moi, je prends les tableaux. Hein. Mais pourquoi elle est morte? Compliqué toute cette histoire. Il y avait un bouquin sur le cadavre, normalement, qui expliquait le pourquoi du comment. Elle a juste une note. La note, c'est étudie bien ton vocabulaire. Il y avait des bouquins quelque part qui t'expliquent qui c'est cette gamine. C'est pas la petite sœur d'Astarion ou un truc comme ça? Hein? C'est la petite sœur d'Astarion? Non, c'est pas la petite sœur d'Astarion, c'est... Vous voulez que je vous raconte ou... Oui. En gros, elle... Victoria, c'est la fille d'un des serviteurs de Khazad-dûr. Qui était encore humaine pendant que son père s'était fait transformer en vampire et en gros il léchait le cul à Khazad-dûr pour éviter qu'il bouffe sa gamine. Sauf qu'il y a une autre des vampires dans le coin qui avait aussi envie de la croquer la gamine et le père lui a fait boire un espèce de truc de malédiction pour éviter que si elle se fasse croquer par un vampire elle meure et ça s'est pas bien passé pour elle. Elle s'est fait croquer, elle est morte et l'autre vampire, je crois qu'elle s'est fait bousiller aussi. Alors moi j'ai un PV, c'est pas que je veux pas me battre, mais sur le principe, bon, un peu la flemme. Mais si là t'es en bagarre Non, mais il y a furieusement un squelette qui est, où il y a marqué en embuscade. Du coup... J'y vais. Attends, je peux la taper de là où je suis. Attends, je la tape et après tu la pousses. Je suis où là? Tiens. Alors, les mecs, est-ce que vous pourriez vous déplacer? Parce que là, vous faites un bouchon et on peut pas taper. Bon, on vous regarde. C'est une mauvaise ambi. Oh non, mais il va le tuer. Non, je peux plus jouer, c'est à toi. Adieu. Moi, pendant ce temps-là, j'étais en train de regarder les potions que je pouvais faire. Bah écoutez, j'ai trouvé et une chevalière des Tzers et une clé. Ça semble prometteur, ça. Alors par contre, j'ai vraiment un PV, quoi. Si tu veux, je viens de faire une grosse potion.
Non, mais c'est plus j'ai 3 points de ki. Enfin, tu vois, genre. Ah, bah, moi c'est pareil, hein, je suis en slip là. On a plus de short rest. Tant de taille. Bah ouais, c'est-à-dire que si on se bat contre un gros vampire, je suis chaud pour avoir des trucs, quoi. Donc ça veut dire ressortir avant de faire la bagarre. Ah, ou tout à l'heure, Katox parlait d'une potion, je sais pas quoi, je suis pas contre, quoi. Angelic Slumber, ouais, mais ça veut dire que tout le monde devrait en prendre une. Je sais pas. Autant qu'on aille faire un long repos. Bah non, mais bah, c'est pareil, hein, je suis tapped, hein, donc... Moi, c'est pareil, j'ai pas besoin d'un long repos, hein. Prenez des popos. Ok. Je crois que j'en ai, je sais pas, je vais check. Je t'ai renvoyé une potion suprême, Atemir. Oui, non, mais mon problème, c'est pas les points de vie, Arda. Le qui ? Les points de vie, j'en ai 30 des potions, si tu veux, c'est pas un souci. Le problème, c'est que j'ai pas de ki, en fait. Non, j'ai plus de potions de sommeil de fifou, là. Est-ce que, par hasard, tu aurais Miss Kick ? Quoi ? Ah, tout à l'heure, bien sûr. Ah, c'était un jeu de mots, j'ai remplacé Click par Kick. Et oui, tout à l'heure, j'ai mis Click. Dur quand même. Ouais. Bon, on le retourne. Angélique, est-ce que j'ai encore de ça, moi ? Je sais pas, moi. Je sais pas, j'en ai jamais eu, alors du coup... Ah si, on en avait pris... Oui, alors, on en avait effectivement pris, mais... je les ai donnés parce que les gens voulaient et j'en ai jamais eu, du coup. Ah, il y en a deux. Il y a celle de... C'est bon, je t'en ai envoyé une. Il y a les rouges. J'ai envoyé la bleue. J'ai que ah des mais c'est parfait, moi j'ai pas besoin de plus, un court repos ça me va. Pourquoi vous me donnez des fringues ? Non pas que... Pas moi qui... Ah oh ça, ouais, ça c'est à moi ça. Elle est incroyable celle-là de fringues. Tentez-vous. Ah ouais. C'est la tenue de cœur de lion. Incroyable. Ouais. Richard. Bah je sais pas mais manifestement... Bon allez je dors moi. Ah elle est super belle. Moi j'en veux bien une aussi si jamais... Voilà, ah ouais, j'en suis tombé par terre quoi. T'en veux une aussi ? Bah bouge pas. Je bouge pas. Scinder la pile d'objets, confirmer, hop. Menmir, hop là, c'est parti. Allez, bonne nuit. Et bah sur je me suis effondré dans le canapé. Je suis frais et dispo pour aller me battre. Comment ça s'appelle ? Dors-toi, là. Qu'est-ce que pour moi ? Ah, c'est les quartiers des. C'est bon, c'est pareil, je suis tout neuf. Quartier des sous-merdes là. Lire. Oh là là, un gros dwarg. C'est beau. Arda, y'a pas moyen que tu me fasses un petit élixir là. Tu me l'as envoyé. Nope. Eh bah dommage. Et bah demain. Est-ce qu'il nous reste encore des trucs à explorer ici ou est-ce qu'on remonte ici, Oh mais oui. Pas l'impression. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Il y a l'air d'avoir deux tours qu'on n'a pas explorés. Par contre, comment est-ce qu'on. Non, mais c'est parce que c'est l'étage. L'étage ? Ok, bon bah on remonte là. Damn. Remontons. Et allons voir ce que vaut ce vampire. C'est toi le vampire là. Parce que je suis. Enfin bref. Là, on est parti où là ? Oula, on est remonté à l'étage. Mais qu'est-ce qui nous arrive ? Attends, mais non, là, à cet étage là, il y a un truc. Non ? Oh, je sais pas, j'en sais rien. C'est où l'étage ? Ah, c'est bon, je suis devant les escaliers. Bon, j'ai cliqué sur Arda et j'y vais du coup. Je me suis pas pris la tête. Bon, je clique sur la porte. Non, c'est moi. Trop tard. Et placez la chevalière dans l'indentation. A flaganal, Zouadro. Je vois un nain avec une épée à deux mains, je vois... Un aventurier tout vêtu de vert. Tout vêtu de vert. Une magicienne à la chevelure de feu. Oula ! Oula ! Wouh ! Enchanté, bonjour.
Witness. Oula, okay. Oula, bonjour, enchanté, enchanté tout le monde. Ah, c'est parti, hein. Bon. Donc les chasseurs de vampires, ils ont fait le taf, ils ont buté le vampire, c'est ça? J'ai loupé le début du dialogue. Non, il n'y a pas eu de... Non, juste... on vous a dit, une chose est sûre, pas de témoin. Bon. Vu la gueule de la pièce, j'ai l'impression qu'ils ont un peu fail, hein. Ah, je sais pas, moi je vois pas de vampires, je vois des loups-garous. Ah, ici il y a quand même des chauves-souris. Et des rats. Ça sent la fireball! Joli. Ah non, ça je le garderai pour tout à l'heure. Oh les patates! Là, ça. C'est le seul truc que je sais faire, hein. Des patates? Oh, tu sais bien faire du riz et des pâtes aussi. Un petit peu de frites aussi. C'est des patates. Patates à l'eau, en main de la purée, après des frites. Putain, il est trop cool, il vient à domicile carrément. Eh ben, bonjour. Le pauvre toutou. Tu l'as touché? Ouais. Et après, on dit que c'est moi qui suis pété, quoi. Le bâtard! Comment ça, tu maintenant qu'il a son stuff, hein, il est heureux, hein. Comme un coq en pâte. Ah bah, ça y est, c'est bon. Maintenant, je suis équipé. C'est bon. Le chouchou trade il est en route. Comment tu mets 4 coups en un tour, toi? Parce que j'ai le feed de l'arme à deux mains. Quand je bute ou que je fais un critique, je fais une action supplémentaire. Ah, la chance. Ah bah, c'est un métier, hein. Ah là, c'est la bonne boule de feu autour de Katox, là, je reconnais, là. Autour de Mulmire, là. Bah, t'inquiète, hein, j'ai de quoi te faire là-haut aussi, hein. Et arrêtez, je sais pas. Eh. J'ai perdu un PV, ça fait trop marrer. Jusqu'à ce que la fireball arrive, ce sera un peu plus qu'un PV. Ah, mais j'ai le cleave, là. Le cleave, ça, je vais déchausser un peu des mâchoires aussi. Qu'est-ce qu'il va nous lancer, Arda? Ah! Fais gaffe, je crois que le chambellan majordome de derrière. Oh! Oh, j'ai rien pris! Pam pam pam! Ah oui, j'ai fait en sorte que tu prennes rien! Ah, oh, si, ça c'est pas beau quand même! Oh, par contre, si je me. Fais gaffe, il y a le chambellan derrière. Ah, manifestement, il y a un autre chambellan qui vous a vu aussi. Ah ouais. Ah, ils tiennent pas leur vie, hein! Tiens! Ah bah, il ira pas plus loin, lui! Il s'est cassé la gueule, non? Je savais que c'était une bonne idée de mettre de la glace là sous leur patoune. Alors il y a des chances que ce soit moi qui me casse la gueule aussi pour non, aller les voir. Il y a pas de, il y a pas de, t'as pas, t'as déjà plein de bestioles à cramer autour de toi. Bon lui il est mort. Il avait rien sur lui, l'enfoiré. Bon. Je crois que les terrains ça me fait rien, voilà, immunité. C'est plus. Ah, simple. Comment t'as fait pour casser la glace? Je suis immunisé à la glace. Je fais des de feu. Tiens, le coup critique là, toi qui es par terre, la merde là. Par contre, je sais pas pourquoi je peux plus voler, mais bon. Du coup, le deuxième, il va pouvoir foncer. Ça va, il a pas foncé très loin. Hein. C'est surprenant pour un gros toutou. Ouf. Merde, je peux en avoir que. Il passe un mauvais moment les gens derrière. Hein. Mais... Et les jec. Okay, les paf. Les mas paf. On est vraiment sur la même longueur d'onde hein, ce soir. Hein. J'avoue. Alors attends, qu'est-ce que. Quoi? Toi, te dégage. Ah oh, mon dieu. Ah, putain, j'adore ton père. Oh, le toutou, il est mouru. Ah, j'adore avoir résistance, c'est trop bien. Enfin, Blade Ward. Oh, je l'ai même pas buté, il lui reste 2 PV, saleté. Ignis.
Pelorare. Ameno. Yabogabi. Voilà, c'est ça. Dabi. Yabogabogabogi. Idabi. Ah bah. Bogi bogi. Esquive. Allez, va bien mourir toi, dégage. Tiens. Ça t'apprendra là. On va avoir l'air. Ah mais il est pas mort. Mais dégage, abruti man. Voilà. Hey, elle est où la pouffe là? Le chambellan il valait 400p XP quand même hein. Mais là, mais voilà, il a lancé son sort sur un cadavre. Pas grave, je l'ai lancé quand même. C'est vrai. Dabou dabi. Dibubi boubi babi babou. Dabou dabi. C'est décevant, ils ont rien sur eux, hein, les chauves-souris et tout. Dabou dabi. Est-ce qu'ils ont peut-être des maladies? Là, j'ai un truc qui a marqué je vous ferai entrer. Ah, là, il y a plein de violons, il y a des tambours à main, tambours de guerre, il y a une partition. Bon, par là, il y a un des couloir. Des auberges, okay. De la porte de Baldur. Bah, vas-y, je prends la partition. Ah, je vais prendre la flûte. Eh, hey, mais j'y pense, mais c'est sur ce petit carnage tout sympa qu'on va stopper l'épisode. Attendez, je fais de la flûte. Ah, attends, moi aussi je joue en même temps que toi. Ah, c'est comment on fait de la musique? Attention, c'est parti. C'est magnifique. C'est sur ça qu'on arrête l'épisode. On vous fait des à bisous. À plus tard tout le monde. Ciao, ciao. Tchou tchou. Tuez-moi.